Comment tu sais ça? Ça fait partie de mon boulot. Comment tu crois que les mercs forgent leur répute? En répandant des ragots comme des lycéennes en chaleur. Voilà comment. Putain, Choum, t'es massif! Tu fais du sport? Comment t'allais? Ouais. Moi aussi, de la boxe. Tu fais des trucs exotiques, genre Kenpo ou Ninjutsu? Ouais. Tu crois que t'arriverais à m'étendre? Hein? Entrez là! C'était pinche type, hein. Excelsior, c'est ça. En cash, comme d'habitude. Bon, je dois y aller. Tiens, tiens, mais c'est misé. Toute la famille au grand complet. Ah, enfin. Une première dans l'espace réel. Et le Flathead? Voyons voir ce petit gars. Allô? Bon, allez, posez vos culs confortablement. Cool pour ton aide dans la planque de désosseur. Quelques charognards de moi, la ville s'en portera pas plus mal. La mairie devrait carrément nous remercier. Chouette cabine, elle est insonorisée? Jackie. Allons, allons, monsieur Wells a raison. On va parler de choses assez sensibles. Mais si ça vous dérange pas, j'aimerais d'abord poser une question à Miss V. Comment ça s'est passé avec Evelyn Parker? Ça s'est passé on ne peut mieux. En fait, je lui ai tellement plu qu'elle m'a fait une autre offre. Une autre offre? Ouais, du genre où on dégage l'intermédiaire pour partager équitablement 50-50. Quoi? Dégager l'intermédiaire? Merde, alors ça c'est fort. Les clients, il faut tout leur apprendre, hein. J'apprécie que tu me mettes au courant, Miss V. Tu vois, la confiance, c'est important dans tout partenariat pour qu'il soit durable et profitable.